Et coucou les amis! Tu dis coucou Nathan? J'espère que vous allez bien. Alors on vous retrouve aujourd'hui pour un déballage colichine. Donc je suis en robe de chambre, hein. J'ai froid. Ce matin on est allé à la piscine et depuis j'ai froid, donc j'ai mis la robe de chambre. Je précise qu'il est 14h20. Nous sommes... quel jour on est? On est mardi. On est en vacances, hein. Enfin les enfants sont en vacances et mon mari aussi. Voilà. Je ne sais pas du tout quand vous verrez cette vidéo. En tout cas, ces derniers jours, on a pas mal vadrouillé. On allait à la piscine, dans un parc d'attractions, on a fait des pique-niques. Voilà. On a profité d'une voiture de location pour une durée de 5 jours. Donc vous verrez tout ça dans les vidéos avant ou après celle-ci. Donc là, aujourd'hui, j'ai reçu un colis Shein. J'attends encore un colis Timou et puis après c'est la fin des colis du mois, hein, voilà. Donc là, c'est un colis plaisir pour moi parce que vous savez que moi, tous les mois, j'ai mes petits 250 euros que j'appelle autres dépenses où je fourre un petit peu tout ce qui ne rentre pas dans mes épargnes, mes dépenses récurrentes. Et puis, je me fais plaisir, je fais plaisir aux enfants, j'achète des choses utiles. Il y a un petit peu tout ça dans... Ah bah non, on vient de commencer. Dans le budget autres dépenses. Donc on y va. Ah bah non, on va pas dire au revoir, on ouvre le colis. On ouvre. On ouvre. On ferme. On ouvre, on ferme. Oh punaise. Il est dur. Alors, j'essaierai de vous mettre les prix. Alors, faut que j'essaie d'y penser parce que ça fait plusieurs vidéos, je vous dis, je vous mets les prix et je vous les mets pas. Alors là, c'était en fait, je commande jamais des éponges magiques sur Shein. Mais, comme d'habitude, pour avoir les frais de port gratuits, il fallait que j'atteigne un certain seuil. Et il manquait genre 80 centimes pour atteindre le seuil. Donc, j'ai pris des éponges magiques. J'espère qu'elles marcheront bien. Moi, elles me servent beaucoup, vu que je fonctionne avec des trackers et que je nettoie mes trackers avec ça. Ça sera forcément utile. Sans compter les coupes de feutre et autres crayons des enfants. À bon entendeur. Alors ensuite, je me suis commandé une paire de chaussures. Bon, à savoir que moi, je fais du 38, mais je prends toujours du 39 parce que sinon, c'est toujours trop petit. Sa taille est quand même petite. Il faut quand même se méfier hein, des sites. Donc, j'ai voulu de la couleur. Vous savez, parce que moi, je suis dans mon mood un peu, je veux de la couleur. Donc, j'ai pris des ballerines parce que je fais quand même beaucoup d'allers-retours à pied pour l'école. Et puis, moi, j'adore les talons, mais bon, à un moment donné, je ne peux pas être en talons, pousser la poussette et être dans les graviers. C'est compliqué. Donc, je les déballe vraiment en même temps que vous. Je les trouve très jolies, hein. Voilà. Ah bah c'est du 40. J'ai même pris... Ah, j'ai dû prendre du 40 parce que dans les commentaires, elle disait que ça taillait très petit. Bon, je vous ferai dans une petite insertion de texte en vous disant si elles me vont. Bon, ça se voit que c'est sûr que je vais rentrer dedans visuellement. J'espère qu'elles ne seront pas trop grandes. Mais franchement, je ne pense pas. Voilà. Donc des petites ballerines bleues. On continue. Ça, c'est pareil, ça rentrait dans ce qu'il fallait pour atteindre le seuil pour être livré. Donc, de toute façon, je m'en sers tout le temps et je les paume tout le temps. On dirait qu'ils sont mangés, les élastiques, par je ne sais qui. Donc, j'ai pris des élastiques. Il me semble qu'il y en a 50. Vraiment, des élastiques à cheveux, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Hein. Voilà. Alors, j'ai pris deux paires de chaussures, hein, je précise. Des ballerines, parce que j'en ai plus qu'une paire. Et la paire qui me reste, en fait, je les adore, mais bon, elles sont avec un imprimé léopard, donc c'est quand même pas vraiment passe-partout. Donc, j'ai voulu une paire de ballerines passe-partout noires, donc il n'y a vraiment rien de plus classique que ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu en suédine. Je ne sais pas si ça rend à la caméra, voilà. Donc, des noirs comme ça, vraiment ultra classique. Et puis, parce que moi j'adore les nœuds, je sais pas si je vous l'ai dit, j'adore les paillettes, j'adore les nœuds, j'adore les papillons. Vous connaissez mes trois passions. Voilà. Hop. Alors ensuite, il y a deux articles. Voilà. Donc une petite robe. Bon, vous savez que je suis en rééquilibrage, donc on se plaise. J'en avais une comme ça, mais il y a 20 ans. Ça me rappelle vraiment mes 20 ans. C'était la mode, des robes comme ça. Ça me rappelle les années quand je regardais Beverly Hills, la série. Et ben, elles avaient toutes des robes comme ça et j'adorais. Et ça m'allait trop bien à l'époque. Et je ne désespère pas que ça m'aille à nouveau. Voilà, donc c'est un imprimé. Elle est super souple. Voilà, l'imprimé, c'est des roses. Donc, elle est doublée, hein, voilà. Et puis, c'est une robe... Où est mon cœur? Attends.
Je vais essayer de la faire glisser sur la table comme la dernière fois. On va mettre à plat. Voilà, donc ce sont des bretelles spaghetti. Je la fais glisser pour que vous voyez un petit peu. Voilà. Le rendu de la robe. Et puis en bas, c'est comme ça. Voilà, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. J'espère qu'elle va m'aller. Mais il n'y a pas de raison. Donc ça, c'est une petite robe d'été. Voilà, qui ira très bien avec les ballerines. Et puis là, bah, je me suis commandée parce que bah, vous savez que j'avais plus de culotte, hein, bah, j'ai plus non plus de soutien-gorge. En fait, ça fait des années que je me trimballais, des soutiens-gorge de grossesse. La poitrine, quand même, elle bouge, elle évolue. Hein, c'est pas évident. Je savais même plus quelle taille à force commander, tellement c'est compliqué. Donc, pour pas me planter avec les baleines, les bonnets, etc., j'ai pris ce qu'ils appellent des bralettes. Voilà, en fait, c'est des brassières un peu habillées, un peu pour ses vêtements. Oula, ouais, j'ai pris du M, je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'avec ma poitrine, ça aille. Hein. Je vous mettrai une insertion. Bon, par contre, elles sont super douces, puis vraiment, je les trouve très jolies. Hein. Vraiment. Bon, après, je commence réellement, je sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, mais j'ai réellement là, ça se voit même physiquement. Mon mari m'a dit qu'au niveau du poids, ça descend. Et bon, à un moment donné, forcément, bah, la poitrine, vous en perdez aussi. Hein. Donc, il y en a 5, hein, c'est un lot, c'était vraiment intéressant. Donc, en bleu marine. Ensuite, vous avez un peu couleur, c'est entre le chair et le rose poudré. Je sais pas quelle couleur évoquer. Ensuite, vous avez un... Bah, c'est entre le rose et le rouge. Je dirais rose foncé, très joli. Voilà, donc là, un ensemble, on va dire nuptial, blanc. Et pour finir, fatal, noir. Voilà, donc j'ai un lot de 5, je vais les laver, je vous dirai ce que ça donne. J'ai crainte quand même que ça soit petit. Alors, ils sont tous équipés de coussinets à l'intérieur, donc bah, bien évidemment moi je les enlève hein, les coussinets parce que j'ai pas besoin de rembourrage. Ferme la porte s'il te plaît. J'ai pas besoin de rembourrage, donc en général je les enlève, c'est comme dans les bains, mais bon, ça mérite d'exister et c'est bien, et puis si besoin, hein. Enfin, après à tester, je voulais regarder l'intérieur. Oui, l'intérieur est doux, c'est pas de la dentelle. Voilà, bon bah écoutez, voilà mon petit polichine, donc la robe, les 5 5 soutiens, enfin bralettes, comme ils appellent ça, 2 paires de ballerines, donc les noirs, je vais laisser les autres dans la boîte, les bleus, les éponges magiques et puis les élastiques avec. Les bleus! Dont on attend se sert comme jeu. Voilà. Bon, bah écoutez, là, je vais pas faire durer la vidéo plus que ça. Je suis super contente. Je vais passer aux essayages. Comme je vous disais, je vous dirai si ça va. Et puis même si c'est un petit peu, étroit, j'ai bon espoir que ça ne soit plus étroit dans quelques semaines. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous remercie de me suivre. On vous souhaite à tous une belle journée. On dit au revoir. Et on vous dit au revoir et rendez-vous à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Nickel, c'est ça que tu dis. Bon, alors, regardez la touche. Voilà ce que ça donne. Bon, moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'ai bien fait de prendre du 40. Voilà. Après, j'ai de la place. Hein, mais je ne les perds pas. Hein, voilà. Je préfère avoir un tout petit peu de place parce que si je mets des petites chaussettes, vous savez, les petites soquettes là qu'on ne voit pas invisibles, ça vous fait toujours une petite épaisseur de plus. Et je préfère avoir un tout petit peu de marge plutôt que d'être serré, puis après vous retrouvez avec des pieds complètement déformés parce que vous avez mis des chaussures pour faire une taille en dessous et puis faire mignon, tout ce qui est pied mignon. Moi, je préfère avoir un pied en bonne santé. Voilà, donc voilà ce que ça donne au niveau des chaussures bleues. J'aime beaucoup. Allez, je vous fais la même au niveau des chaussures noires. Donc voilà ce que ça donne au niveau des chaussures noires. C'est hyper classique, hein, sont des ballerines, voilà. Mais honnêtement, je suis vraiment contente de mes choix. J'aime beaucoup les petites ballerines qui ont coûté peu cher et qui sont très saillantes, je trouve. Et voilà.